On aura connu foule plus compacte pour un premier jour. Ce matin, c'était très calme. Les années passées, c'est vraiment à l'ouverture, il y avait déjà du monde. Mais là, on a passé 2 heures, il n'y avait personne en magasin. Il faut dire que le lundi n'est pas le jour idéal pour démarrer les soldes, même si le calme fait le bonheur de certains. Les magasins sont vides, pas de monde, bah oui, parce que les gens sont partis en vacances, je suppose. Il n'y a pas beaucoup de monde ? Non, c'est super cool. Oui, il n'y a personne. Tant mieux. L'année passée, on a démarré les soldes le samedi. Maintenant, on commence les soldes un lundi. Ça va de soi qu'il y a moins de consommateurs qui sont à la maison. Donc, de toute manière, sera moins positif par rapport à l'année passée. Mais elle commence en force. Moins 30, moins 50, moins 70% même. C'est que dans les magasins, les stocks débordent jusqu'à 2% de plus qu'à la même époque l'année dernière. Les périodes de canicule n'ont pas été propices au shopping et puis le commerce en ligne poursuit son ascension au détriment du commerce traditionnel. On a vraiment beaucoup de stocks, donc on passe vraiment les liquider. C'est pour ça que nous, on a commencé directement moins 40%, moins 50%. Parce qu'avant, c'était moins 20%, moins 30%, mais là, cette année, même nous, on était étonnés. 85% des commerçants indépendants ont vu leur chiffre d'affaires diminuer depuis le début de l'année, selon le syndicat neutre pour indépendants. Alors beaucoup comptent sur ce mois de juillet pour retrouver le sourire.